Pas une politique de sécurité publique, une politique de lutte contre les actes de criminalité, si pas gagné tout un plan national pour ça, au niveau de l'État, nous pas espérer trop grand chose. Par contre, nous quand même recommander et monde qui dans l'État toujours, monde qui dans le gouvernement, pour y mettre un monde qui connaît institution, qui connaît problème institution et qui est capable de porter des contributions. Et en même temps, tout, nous pensons même gens, il faut que tu aies un passe-main qui fait dans CSPN. Non? Ça veut dire ministre qui est membre du Conseil supérieur de la police nationale. Là, non? Nous pensons même tout, il y a des responsabilités dans le niveau criminalité à monter là, dans le niveau insécurité, banditisme, et gangsterisation paysan. Donc, il y a même tout, il y a des responsabilités. Il n'y a pas des innocents, il n'y a pas des simples citoyens là-dedans. Donc là, nous-mêmes, nous avons été vigilants et veatifs pour voir comment le gouvernement s'apprête à le faire pour permettre la population à ralentir le souffle dans le problème d'insécurité et de criminalité qui a violé le droit de l'homme, particulièrement le droit à la vie, le droit à la protection et le droit à la libre circulation entre deux pays. Voilà, nous tapons côté déclaration Antonal Mortimer et nous apprenons France LB, il fête 23 octobre 1970 dans la commune Port-au-Prince, capitale pays, lycée en père de famille. Après études classiques, il était intégré à l'Institut d'études commerciales et économiques, il est diplômé dans sciences comptables, il était suivi couteau non, 10e année, il était venu inscrit dans le centre de formation police nationale d'Haïti et il est sorti avec un diplôme de police. France LB, donc en 2018, il a eu un certificat que l'université qui était ça, c'est FDE, et Bali, peut-être une formation. Il était suivi sur planification et gestion projet en avril 2011. Donc, n'a gagné pour nous retourner sur parcours nouveau directeur général AI PNH. On a parlé de France LB qui a remplacé Léon Charles hier dans tête institution policière. Là, évocation Léon Charles ou démission Léon Charles avec installation yon nouveau chef dans la tête de la police là arrivé pendant ou fait pendant Port-au-Prince était bloqué hier côté toute activité était paralysée. Port-au-Prince qui a pleuvé pas mal par rapport à journée panique ou journée tension ailleurs là, puisque nous t'es ouais dans niveau Pétionville t'es gagné camion mais rien qui t'a essayé déblayer là où il y a nous remarqué même activité ça dans zone Delma ça qui pourtant pas rétabli circulation comme ça droit puisque la pluie qui tombait hier soir là affecté circulation machine je dis à dans Port-au-Prince zone métropolitaine Port-au-Prince 5 qui était levé je nous dis hier en bas gros tension barricade caoutchouc qui t'a boulé roche t'a tiré sur toute machine qui t'a tenté passer. C'est une situation nous a dit qui était Kembe ville là effectivement paralysée pendant toute journée hier jeudi 21 octobre 2021 protestataires yo côté en pile yo ces chauffeurs taxi motocyclette et décidé bloquer Delma Boudon Canapé Vert la Lue Cité Soleil route 9 Champ de Mars à Thomasin yo t'a exigé gaz dans pompier guerrier yo profiter tout critiquer autorité yo pour tête et obligé payer un gallon gaz plus passer 1000 goudes alors que yo pas même qu'a joindre ni ça qui la cause prix crucio monter tête nèg dans divers coins en dans pays a en suivi un reportage à Peterson Luxama. C'est un Port-au-Prince qui levait en mode protestation matin jeudi 21 octobre là presque tout côté dans capitale là en mode lock.
Là, nous sur route Tijo, pas trop loin, compagnie téléphone Digicel à Collège Canado. Caoutchoua boulé, mousseau bouteille, fatra à Goroche, Simaé sur toute route là. Mouvement déjà prend dans zone ça qui est impraticable. C'est chauffeur moto avec plusieurs l'autre citoyen qui levait campé pour dénoncer raté gaz qui gagnait depuis plusieurs mois en d'un pays. Ça pas normal d'après protestataire pour population pas qu'à fonctionner comme ça doit à cause ratement gaz ça qui semblait pas faire autorité concernée ni chaud ni fret. En pile mon a posé tête yo question pour demander qui rôle BM pas dans d'un pays ya. Responsable dans institution ça pas j'me dit rien face à situation qui vient pi mal chaque jour pi plus 1000 jusqu'à 1500 goud c'est quantité l'agent citoyen ça au dit au doit gagner pour acheter un gallon gaz dernier jour ça yo plusieurs côté dans Port-au-Prince ak province protestataire dit non yo pas ka fonctionner dans une situation comme ça faut que l'état dit un mot dans causer ça nous pas marcher pendant 7 ans nous même nous pas ici pour bon gaz pour travailler ça nous combien comme de fin payer gallon gaz 300 $ pas ka jeune non fait pas ka jeune pour Mouvement protestation ça a paralysé activité dans zone Tijo. Plusieurs entreprises parmi yo Digicel pas arrivé fonctionner. Plusieurs écoles t'es obligé la guerre les vieux avant les. Nous quittons Tijo, nous traversons canapé vert. Là, tableau a pas changé. Au contraire, situation paraît piment gommé. La fumée caoutchouc a boulé, monté 17 rotés. Pile fatra accroche, gaé sous toute route là. Plusieurs jeunes garçons camperaient des barricades. Yo pas ni décidé de parler dans micro la presse, ni d'accord pour filmer yo. Ça va filmer la roue, ça. Ça va filmer la roue. C'est une série jeune qui paraît frustrée en pile par rapport à condition la vie dans le pays. Jeune sa yo, l'État abandonné, diable cherché façon pour yo vivre, mais même l'État ça à barré yo. Mon pays n'est pas prêt de vous, pas prêt de vous. Organisez à son moto pour chercher la vie. Pas mon pays, pas nous traverser. Non, pas bon. Il pas bon. Il pas bon. Plusieurs autres zones, région métropolitaine, non, qu'on est même tension en matin, jeudi 21 octobre là. Delma 47, 75, 83. Balalu ak l'autre côté caoutchouc tab boulé. D'après témoignage yo, c'est toujours la même l'idée pour forcer autorité yo résoudre problème gaz là dans pays ya. Insécurité, kidnapping, raté gaz, chômage ak la misère, le problème Haïti a fait face yo papiti. En pile monde k'ap observer quoi, c'est résultat mauvais gouvernance dernière année sa yo qui mettait pays ya là. Chaque jour qui passait, situation vin pi malouk. Pa gen aucune volonté qui manifestait beaucoup de dirigeants qui dans tête pays ya pour porter une amélioration dans condition la vie population. En tout cas, quelques observateurs quoi, pays a prend pile temps toujours pour sortir dans impasse lié. Peterson Luxama, Caraïbe FM. Merci un peu, Peterson Luxama. Tout à l'heure, on a venu avec de l'autre réaction sur le changement ça qui fait dans la police là. Mais entre temps, ben, nous étions dans la question raté gaz là, puisque dans quelques stations gaz qui décidé bah, et produit ça, pas compte goutte, c'est toujours gros embouteillage. Côté même gaz diesel là, pas trop facile. Chauffeur et propriétaire machine bouqué, dénoncé irresponsabilité autorité en place face à la situation ça, qui la cause d'une bonne chauffeur transport monté précoce machine yo. Même l'activité transport qu'on a un gros ralenti dans la rue hein. En suivant un reportage avec Jean-Georges Blaise. Malgré un pile pompe à terre dans la capitale là, rete à porte fermée, c'est gros embouteillage. En bas, c'est une station service qui continue à bailler gaz dans la partie godette. C'est dans laisser frapper, gagan, yon bon moun à galon, droum à chercher ravita et yo, à côté longue file machine qui même bail gros blocus dans la rue. Si avant ça, t'es plus tête chargée pour gazoline, non, fois ça, bien pile mâchoire gonflé pour gaz diesel là, qui t'a semblé pas trop facile non plus dans pompe. Bataille, gen. Mais le diesel, moun diesel. Diesel là, en pile pour diesel là, même avec gazoline. La gazoline, c'est pour c'est diesel qui m'a gagné. Diesel là, là, en pile à pile. Oui, dans bataille, moun là. Oui, là, nous, mais on va regarder pour pas un diesel même. Pas un diesel, depuis qu'il est. Bien,
même bien quelques jours pas de diesel. Pas de diesel parce que le diesel moi viens faire là, je pas travailler. Bon, je suis obligé de camper machine parce que je pas de diesel pour travailler. Et ça fait plusieurs semaines depuis situation était comme ça, sans personne pas connaît, jour qu'il est population a capable finalement râler en souffle face à problème ça qui semblait pas faire autorité pas bon ici ni chaud ni fret. Une situation qui t'a semblé plus compliqué dans ville province, c'est quoi protestataire qui dit il a pas acheté gaz là bien cher à terre dans la rue. Diesel. Ça c'est de l'ira tout. Comment? C'est la route. Bon, pas connait parce que nous pas capable nous les gars nous pas plein. Pas connait. Activité ça c'est bloqué. Bon, ouais. Et tout ça passe en conséquence sur activité ou surtout sur secteur transport commun qui fonctionne au ralenti dans différents circuits. Côté un bon chauffeur décidé monter plus machine non, Jean Ouvlé sous dos passager qui responsabilité ministère affaires sociales face avec toutes des autres ça yo là encore. C'est un chauffeur trafic, pas caché position. Oui, si vous mettez mon copain dans la rue, vous avez une machine qui vous porte à la caille. Toute l'école terminée, vous avez la caille. Vous avez une machine, vous avez une machine, vous avez une machine, vous avez un gaz. Est-ce que nous augmentons plus? Oui, bon, nous achetons gaz là, cher. Bon, même là, vous montez plus gaz là. Vous montez plus gaz là. Vous montez plus gaz là. Vous galon 20 gouttes là, vous prenez là. Qui gaz? Gaz diesel là. Diesel là, vous montez. Allô? Vous montez le pompe là. Oui, vous montez parce qu'il est obligé, il est obligé. Et c'est le gaz là, oui. Pas de l'autre côté de gain. Donc, nous disons que nous obligé de monter plus ça. Oui, nous obligé de monter. Et avec Picous Machine, non, certains chauffeurs décident d'augmenter Jean Ouvlé dans la RIA, surtout avec rentrer l'école là. Ça la cause en pile par an après les un mois, surtout pour faire bout de circuit ça qui tourne pire non qu'aux passagers au Cap Mandé qui responsabilité autorité en place. Une situation qui l'a encore risque de venir piment gommé avec mouvement grève chauffeur camion gazio qui obligé camper sur activité yo pour forcer l'État haïtien. Garantie l'ordre de sécurité dans la rue. Jean-Georges Blaise, Caraïbe FM. Merci un peu, Jean-Georges Blaise, et création dernier jour, ça y est, une nouvelle structure pour bataille contre kidnapping qui peut être une croisade organisation haïtienne contre kidnapping avec violence. Nouveau groupe Pansag comme objectif, forcer autorité au prendre bon jamaisie pour arriver combattre fléau ça qui pas suspendre faire victime. La structure ça a gagné là-dedans, la plus passée, une dizaine d'organisations dans la société civile, là, parmi le réseau national Cap Défendre Droit Mounio RNDDH. Pour commencer, coordonnateur croisade organisation haïtienne contre kidnapping et violence là, pasteur Destiné Saint-Pierre, réclamé libération sans condition tout otage qui n'a mis ravisseur, spécialement pasteur Jean-Marie Ferrand Michel. En côté, pasteur Destiné Saint-Pierre qui était dans le micro, Réginald Rémy. La croisade des organisations haïtiennes contre le kidnapping et la violence des gangs, c'est une coalition d'organisations de la société civile haïtienne et de la diaspora qui prend naissance dans le mois septembre, ça, suite à indifférence, silence, irresponsabilité autorité pays face à montée spectaculaire qu'à kidnapping et multiplication gangio dans le pays. C'est une croisade d'organisation pour dire non à cette violence, à cette traite de personnes, à cette traite des Haïtiens. Qui ouais, et aussi tout le monde qui a kidnappé, violé dans le pays ça. Personne ne dit rien. Face à la violence effrénée ça contre la population haïtienne qui vise à détruire tout le peuple, toute une nation, eh bien, ensemble, organisation ça y est, non seulement qui sont table, mais qui n'ont salle là tout. Ils mettent tête ensemble. Vous dites non, 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 ça n'a pas dû continuer. La traite des personnes est désignée généralement un processus par lequel moun yo prend, moun yo place, yo yo kebe yo à des faits politiques. Et je dis à chaque haïtien bon prix, c'est prendre moun yo, maltraiter yo, menoter yo et faire prix yo. Nous ne venons pas moun encore, nous venons des choses, nous venons des bêtes.
La loi Taubira en France du 10 mai 2001 lui reconnaît la traite de personnes comme un crime contre l'humanité et lui doit juger comme tel. Kidnapping non constitue un crime contre l'humanité et doit être traité comme tel. Et c'est même Martin Luther King qui dit il y a une injustice qui commet quelque part, quel que soit côté commet dans le monde là, c'est une menace pour toute l'humanité. Bicoisade des organisations haïtiennes contre le kidnapping et la violence des gangs, c'est pour nous réunir, réfléchir et travailler ensemble pour nous porter l'État ça qui a payé pour les machines blindées, pour assumer responsabilité, pour protéger la population haïtienne. République dominicaine, Costa Rica, Panama fait proposition bail international pour résoudre la crise pays à connaître depuis quelques temps. Président trois pays saillants réunis dans le cadre d'alliance pour développement en démocratie dans la ville Panama et puis bail communauté internationale. Mercredi 20 octobre, il y a une réaction urgente pour arriver à faire face à la crise de plusieurs dimensions. Pays n'a pas fait face depuis quelques temps, surtout après la mort ancien président Jovenel Moïse, après assassinat président un pays parmi ensemble proposition qui fait yo président dominicain Luis Abinader Panama Laurentino Corsico avec président Costa Rica Carlos Alvaro ben mandé pour ta gagner une solution qui joigne pour arriver désarmer gang yo dans pays d'Haïti créer emploi et puis récupérer bassin versant yo 17, alors kidnapping 17 missionnaires américains, canadiens, ou dans Grandier, ou bien dans Croix-des-Bouquets, à travers leur tweet publié 20 octobre, Banque République d'Haïti nie toute implication dans un quelconque paiement rançon pour libération otage. Alors, ce que les États-Unis fait qu'on est, n'y pas compté négocier avec Gagno pendant la pas travail sans prendre souffle pour libération américain qui est kidnappé et yo a gagné un pile rumeur qui a pas couru sur les réseaux sociaux yo comme quoi l'État haïtien va pas sembler l'argent pour ta payer en tout cas rançon gang 400 Marozo exigé pour libération et 17 missionnaires sa yo qui nan men yo depuis samedi passéant, donc missionnaire américain Sayo qui toujours en bas main équipe 400 Marozo n'a parlé de la mort sans jour, la mort sans jour qui mercredi a enterré 5 soldats li qui étaient mouris dans l'échange coup de Zamaka la police dans moment total chercher la jeune dans un business ou bien dans une usine sable que ancien président chambre député en Charles Chancy a gagné. Donc, c'était funérailles. Dans funérailles, ça, la mort sans jour menacée pour ta tirer à américain yo si toutefois yo pas tabali l'argent li réclamé ou bien salmandé à selon propre parole le mort 100 jours a été fait donc gagné responsable Christian Edministrizio qui dit yo pas fait aucun commentaire sur vidéo le mort 100 jours côté li menacé pour le touiller missionnaire si la yo s'il pas joindre ça le besoin nous pas dit tout autant monde qui impliqué direct dans négociation pour libération otage pas dit nous comment nous pral faire pas mettre en danger sécurité ak bien-être monde cap travailler avec nous yo et puis même famille nous c'est ça mission a déclaré sur CNN. Bataille contre phénomène insécurité avec Zak kidnapping yo en dans payant bureau avocat international yo BAI pote support bay secteur syndical lan dans cadre mouvement ça d'après Mario Joseph qui estime situation arrivée dans dernier bout li toutefois responsable BAI a mandé initiateur mouvement pour mettre tête ensemble et puis mettre yo d'accord sur stratégie bataille lan pour éviter politiciens rat dokale vin accaparer mouvement dans main yo en côté maître Mario Joseph nami Jean Vital Pierre. C'est pour BAI annoncer Sipol avec mouvement syndical qui t'emmène en pays
pour dénoncer kidnapping, insécurité, problème gaz, la vie chère, et puis demander secteur syndical là, faire concertation avec notre secteur populaire pour mener mobilisation de manière autonome. Qui donc, avec propre leadership, yo, côté c'est pas politicien traditionnel, radicalé, cap orienté bataille peuple là pour régler les affaires personnelles. Yo. Gouvernement de facto, Ariel Henry, pas prend aucune mesure pour sécuriser la population en face à gang armé, toute qualité. Cap théoriser, kidnapper, assassiner, violer, voler, faire pillage et la trier. Qui donc, question insécurité, qui c'est principale préoccupation société, pas une priorité pour gouvernement de facto Ariel Henry. C'est pour la population. Plus vindicatif pour tout droit au gagné. L'autre nouvelle, ben nous essayer li correspondant ça qui datait 21 octobre que RNDDH voyé by inspecteur général Frédéric Lecomte, directeur central police judiciaire DCPJ. Il dit réseau national qui a défendu droit moun yo pote bon côté attention information alarmante qui rive joini dans cadre yon dossier qui gen pour ak enlèvement suivi de séquestration contre rançon pasteur Jean Ferret Michel. En effet, na date 3 octobre 2021, pasteur Jean Ferret Michel était enlevé en compagnie de l'autre moun qui était accompagné Agnelli, Isabelle Devendegis et Norman Winner, yo te trouvé dans Delma 19, pas trop loin l'église d'Isos Center. Pendant un moment, yo te amené yo, c'est nèg qui habillé avec uniforme UDMO, unité départementale pour mettre l'ordre, yo qui était monté à bord. Yon en machine marque Nissan Patrol couleur grise avec plaque immatriculation service l'état qui était allé à 43 moun sa yo. C'est une empile machine, alors c'est une empile machine ou bien plusieurs machines qui trouvé yo sous la cour Serge Alexis alias T Junior, chef gang La Saline, membre coalition G9 en famille et allié, d'après ça RNDDH fait qu'on est. Avant yo aller avec victime yo, ravisseur yo te affirmé que yo te vin procéder ak yon arrestation ou bien ak arrestation pasteur. Proche victime nan te déjà versé $300,000 américains, mais yon nan moun yo seulement qui libéré. Jodi an, 18 jours après enlèvement, de l'autre moun yo toujours trouvé yo nan men ravisseur yo, nan men bou Royo, et parmi eux, pasteur Jean Ferret Michel, toujours d'après RNDDH. D'après mon RNDDH rencontré, yo, et parmi eux, gagné coordonné qui annexé dans communication ça ou bien en correspondance ça que ouvre bail des CPJ que enlèvement ça li fait li c'est un zak vengeance. Pasteur Jean-Michel Ferret Michel a été enlevé sous l'ordre ministre intérieur à collectivité territoriale Lio Litskitel qui fait aussi office ou bien qui joue rôle tout ministre justice et sécurité publique depuis révocation prédécesseur li. Ministre Litskitel reproché à pasteur d'est-ce que l'était une relation amoureuse avec madame Li, dame ça qui est Barbara Kitel alias Barbie, alors que coupe Kitel avec Michel t'a fréquenté.